La mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. Certaines espèces ont un lien particulier avec la mort. Que ce soit les chevaux qui refusent de manger là où l'un de leurs compagnons est décédé, les chats dans les hôpitaux ou maisons de retraite qui s'allongent sur le ventre des mourants, les éléphants qui au cours de leur voyage s'arrêtent quelque temps près des ossements de leurs proches, les hippopotames qui pleurent ceux qui partent, ou encore certains dauphins qui amènent les corps de leurs petits décédés dans des eaux plus calmes. Mais l'espèce qui a le lien le plus étroit avec la mort est probablement l'Homo sapiens sapiens, qui, depuis des milliers d'années, crée des rites funéraires, des hommages, des coutumes propres à la mort, à ceux qui sont partis, à l'au-delà. Les tombes les plus anciennes retrouvées à ce jour sont d'ailleurs les tombes de notre cousin l'homme de Néandertal, comme par exemple le cimetière de Simalos Huesos il y a 430 000 ans. On pense qu'environ 108 milliards d'êtres humains sont morts depuis l'aube de l'humanité. Environ 59 millions de personnes meurent par an et chacun d'entre eux aura une sépulture ou un hommage qui lui est propre selon ses croyances et idéaux. Beaucoup d'êtres humains à travers le monde estiment qu'il y a une vie après la mort. 5 grandes théories sur la mort sont ainsi répertoriées. Et c'est ce que nous allons voir. C'est quoi la mort? Y'a un truc après ou pas du tout? Sommes-nous sûrs, véritablement sûrs, de mourir réellement? Et si, une fois mort, nous allions vers un autre endroit? Évidemment, on n'a jamais vu le corps d'un mort voler vers un autre endroit. Dans cette théorie, une substance vitale et spirituelle, immanente ou transcendante, anime le corps d'un être vivant. C'est ce qu'on appelle notre esprit, ou notre âme. Ce concept d'âme peut se retrouver dans plusieurs domaines, religieux bien sûr, mais aussi en philosophie ou en psychologie. Plusieurs théories ont comme sujet l'âme, et si ça vous dit, on en reparlera de l'âme dans de futurs épisodes. Nous allons donc partir du postulat que l'âme existe. Une fois mort, notre âme irait dans un nouveau plan d'existence. Ce nouvel endroit est synonyme de repos éternel, dans lequel vous aurez le droit à une nouvelle vie, infinie et riche en bonheur. Dans la mythologie égyptienne, nous avons les champs d'Ialou, les Champs-Élysées dans les croyances grecques, Valhalla dans le folklore nordique, et bien entendu le paradis dans la Bible et le Coran, pour ne citer que ces exemples. Mais où se trouvent tous ces paradis? Dans un coin reculé de l'univers? Dans une autre dimension? Pas vraiment moyen de savoir ça. D'ailleurs, dans beaucoup de croyances, il existe aussi d'autres mondes, ou plusieurs paradis. Certaines parlent aussi de l'enfer, ou de plusieurs enfers, car oui, toute personne peut rentrer au paradis. Mais il faut que Dieu ou les dieux te jugent assez bon pour y entrer. Sinon, dis bonjour à un monde de flammes et de tortures. Enfin, dans la culture populaire du moins. Ce qui est réellement l'enfer est souvent débattu, même au sein des communautés bibliques et coraniques. Il est un monde de flammes, un monde comme la terre, un monde qui n'existe pas, etc, etc. Avons-nous des arguments valables, en dehors des écrits sacrés bien sûr, de l'existence du paradis? Non. Enfin, parlons des expériences de mort imminentes. Si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit d'expériences que beaucoup disent surnaturelles, de personnes qui sont mortes quelques secondes ou quelques minutes. Avant d'être réanimées, les personnes racontent que pendant ces brefs instants, elles se sont senties sortir de leur corps, emprunter un long couloir et ont ressenti un profond sentiment de plénitude, d'amour et de confiance. Certains, ayant des croyances opposées à ce phénomène, ont senti en revanche du désespoir ou de la tristesse en empruntant ce couloir de lumière. Pour beaucoup, ceci est la preuve que ces personnes allaient au paradis ou en enfer. Le cas des expériences de mort imminente est encore assez mal connu, mais les scientifiques commencent à envisager diverses hypothèses par rapport à notre cerveau et notre conscience. Serait-ce donc juste un phénomène dans notre cerveau ou la preuve du paradis ? Le docteur Eben Alexander pense en tout cas qu'il s'agit de la preuve que le paradis existe. Le truc, c'est que personne n'est revenu nous le confirmer. Mais comme disent certains, le paradis c'est censé être trop cool, alors forcément personne n'en revient juste pour nous dire qu'il existe. Et si, une fois mort, nous revivions? C'est la réincarnation, ce sur quoi je vous avais laissé lors du 5 théories sur la vie. Selon cette théorie, nous avons plusieurs vies. Nous en avons donc vécu avant celle que nous sommes en train de vivre et nous en aurons après. L'idée de notre âme qui entre dans d'autres corps peut remonter jusqu'à l'Égypte antique. Ce concept d'âme en était encore qu'à ses débuts, c'est pourquoi certains historiens estiment que ce n'est pas l'esprit du mort qui allait dans un autre corps, mais bel et bien le mort qui se transformait, par exemple en oiseau,
ou en reptile, en attendant le jugement des morts. Le concept de réincarnation tel qu'on le connaît aujourd'hui se répand en Grèce antique, probablement influencé par les croyances en Égypte et en Inde. En effet, la réincarnation des âmes était présente depuis la préhistoire indienne et sera au cœur dans l'Extrême-Orient de l'hindouisme, du jaïnisme, du bouddhisme, du sikhisme et du yézidisme. Les croyances subsahariennes étaient elles aussi parsemées d'histoires de réincarnation. On estime à plus de 3 milliards le nombre de croyants en la réincarnation à travers le monde. Plus de 3 milliards de croyants en la réincarnation, car c'est un domaine qui touche aussi bien la religion que la philosophie, la science ou la psychologie. L'un des domaines les plus récents concernant la réincarnation est le spiritisme, considéré comme une science occulte dans laquelle chaque vie que nous vivons est une expérience éducative. Apprendre de soi, apprendre des autres, apprendre de la nature. La réincarnation peut donc appartenir au domaine des croyances, de la foi, de la science occulte, mais je suis sûr que ce qui vous intéresse, c'est le côté scientifique, rigoureux et matériel. Brian West, psychiatre, faisait de l'hypnose sur une de ses patientes quand elle remonta accidentellement dans ce qu'il pensa être une vie antérieure. La patiente donnait des détails précis de ce qui s'était passé il y a des centaines d'années. Michael Newton, un autre psychiatre, ne croyait pas à la réincarnation avant de faire de l'hypnose sur ses patients. Les observations qu'il a faites pendant 10 ans sur les expériences vécues par ses patients ont donné un autre corps pour mon âme. Best-seller qu'il écrit en 96. C'est finalement grâce au récit de ses patients qu'il croit désormais en une puissance supérieure de la nature, une source à l'origine de toutes les vies et toutes les créatures. Mais c'est surtout Stevenson qui a réussi à porter le phénomène de la réincarnation à un domaine scientifique de haut niveau. Selon beaucoup, les enfants en bas âge ont encore des souvenirs de leur précédente vie. Il réalisa alors 3000 témoignages d'enfants qui décrivaient des souvenirs de vies antérieures. Des scientifiques essaient depuis plusieurs années de démontrer que l'ADN a un rôle dans la réincarnation, et ils essaient d'identifier des éléments dans le génome humain capables de permettre de valider l'hypothèse réincarnationniste de la présence d'un même esprit dans deux corps différents. Le génome de l'âme, comme ils disent, n'est pour l'instant qu'une hypothèse. On verra bien dans quelques années s'il existe réellement. Mais diverses personnes, aux quatre coins du globe, affirment qu'ils sont les réincarnations de personnes ayant déjà existé. C'est notamment le cas de Jeffrey Kean, qui pense être la réincarnation de John B. Gordon. En plus de lui ressembler étrangement, à 30 ans, il a eu une migraine intense qui lui fit souffrir le visage pendant quelques minutes. C'est précisément à cet âge-là que Gordon fut touché par une balle qui le toucha sur la figure, passant au travers de sa joue gauche et sortant de sa mâchoire. Jeffrey ne connaissait pourtant rien de Gordon à cette époque, et des cas comme ça, il en existe des centaines sur Terre, et des ressemblances étonnantes que vous avez probablement déjà vues traîner sur la toile. Ça fout le doute tout ça, non? Continuons donc dans cette lancée. Allons-nous nous réincarner dans différents corps, ou au contraire, dans exactement la même vie? Connaissez-vous la théorie de l'éternel retour? Cette hypothèse suggère que chaque chose dans l'univers est vouée à se répéter infiniment, et que donc nous avons déjà vécu cet instant des milliers de fois, et aller le revivre des milliers de fois. Les premiers à avoir envisagé cette hypothèse sont les astronomes babyloniens, qui observèrent un éternel recommencement dans l'univers. Que ce soit les révolutions synodiques des planètes, les révolutions annuelles du Soleil et de la Lune, les années, les saisons, la matière semble toujours opérer un parcours cyclique qui se détruit et qui se régénère. Et si le temps était cyclique, lui aussi? Et si nous étions tous piégés, destinés à revivre éternellement la même vie? La mort serait alors un état éphémère avant que nous revivions une énième fois. No, that's over my head. It's like in this universe, we process time linearly, forward. But outside of our space-time, from what would be a fourth-dimensional perspective, time wouldn't exist. And from that vantage, could we attain it? We see. Our space-time would look flattened, like a single sculpture with matter in a superposition of every place it ever occupied. Our sentience just cycling through our lives like carts on a track.
see everything outside our dimension as eternity. Eternity looking down on us. Now to us, this is fear. But to them, it's a circle. Plus tard, Héraclite dira qu'à un moment donné, le monde s'embrase et se reconstitue de nouveau lui-même. Les événements reviennent à l'identique et le cycle se reproduit sans fin. Aristote ajoutera, ce n'est pas une fois ni deux, mais un nombre infini de fois, sachant-le bien, que les mêmes opinions reviennent jusqu'à nous. C'est finalement à Nietzsche que l'on pensera quand on parlera d'éternel retour. En plus d'en faire une loi métaphysique, il en fait un concept philosophique, basé sur le mentavi, en sorte que tu puisses souhaiter qu'elle se répète éternellement. L'univers n'atteint jamais un état final, il n'a pas de but, et donc n'est ni devenu, ni à devenir. Il n'a jamais commencé à devenir. Parallèlement à ça, nous avons le Big Crunch, dont on avait déjà parlé auparavant. Le Big Crunch est une sorte de Big Bang inversé. Il désigne l'effondrement de l'univers, c'est-à-dire une phase de contraction faisant suite à une phase d'expansion. La théorie de cette fin de notre univers a du mal à être écartée. Mais si cela était vrai, que l'expansion de l'univers va un jour entrer en contraction, comme un ballon que l'on jette et qui finit toujours par retomber, alors c'est la fin de notre univers. Ou pas, finalement. Car une fois que notre univers retournerait à l'état d'une singularité originelle, celle-ci peut très bien redonner un Big Bang, et ainsi de suite. Peut-être que donc, cela fait des milliards et des milliards et des milliards d'années que le Big Bang se fait, puis se défait, puis se refait, puis se défait, puis se refait, puis se défait à l'infini. Et si chaque élément de l'univers retrace le même chemin, alors la Voie lactée réapparaîtra, la Terre se reformera, l'être humain refleurira et tu revivras ta vie une nouvelle fois. Qu'y a-t-il donc après la mort? Eh bien cette vie, puis ta mort, puis à nouveau cette vie, puis ta mort, pour toujours, à jamais, éternellement. Peut-être as-tu donc regardé cet épisode plus d'un milliard de fois auparavant. Tu veux stopper la vidéo? Tu l'as sûrement fait des milliards de fois. Tu veux continuer? Eh bien si tu restes, c'est sûrement car tu l'as déjà fait des milliards de fois, et que tu le referas dans quelques millénaires, une infinité de fois. In eternity, where there is no time, nothing can grow, nothing can become, nothing changes. So death created time to grow the things that it would kill. And you are reborn, but into the same life that you've always been born into. And how many times have we had this conversation, Texas? Who knows? And you can't remember your lives. You can't change your lives. And that is the terrible and secret fate of all life. You're trapped. So that nightmare you keep waking up into. Voilà un thème assez particulier. Si votre culture des esprits se limite à Hollywood, vous pensez directement aux mots fantômes, aux esprits vengeurs qui veulent tuer les êtres humains qui se trouvent autour d'eux. Éloignons-nous de ce concept et parlons métaphysique, la science de l'immatériel. Considérée comme l'une des plus anciennes sciences, elle est de moins en moins repoussée par la science matérialiste. Beaucoup de personnes à travers le monde, suite à des rencontres avec des esprits ou témoins de phénomènes surnaturels, affirment que des personnes invisibles et mortes sont encore dans le monde des vivants. De plus en plus de personnes s'y penchent, car d'une part, aucune religion semble n'y être opposée radicalement. Plus le temps passe et plus la science matérialiste s'y intéresse. Mais d'autre part, car il y a encore quelques années, parler de tout ça était tabou. Avec l'essor de personnes qui osent enfin en parler durant le XXe siècle, puis l'accessibilité à Internet et une curiosité du peuple de plus en plus intense, beaucoup estiment que des âmes sont perdues sans pour autant faire partie d'une religion ou groupe de pensée spécifique. C'est le spiritisme qui est donc considéré comme une science occulte qui pourrait nous apporter les réponses.
Le spiritisme est généralement présenté comme la continuité d'une tradition ancestrale commune à la plupart des civilisations. Ne parlons donc plus de fantômes, mais plutôt d'âmes errantes ou d'entités. On avait parlé du spiritisme assez brièvement lors du précédent épisode, en parlant de l'âme après la mort. L'âme d'un être humain pourrait rester sur notre plan, et ce pour plusieurs raisons. Soit tu restes bloqué sur Terre car il te reste quelque chose à faire, soit tu ne t'es pas rendu compte que tu venais de mourir. Certaines personnes, qu'on appelle nettoyeurs ou porteurs de paix, viennent en aide aux personnes qui pensent qu'une entité vit dans leur maison. Rien de nouveau là-dedans, il y avait déjà ce genre de témoignages en Mésopotamie antique ou dans l'Antiquité occidentale avec les druides par exemple. Comment expliquer que certains bruits sont entendus dans une maison, une certaine odeur ou sensation à une heure précise, alors que tout ça disparaît une fois que le nettoyeur communique avec l'esprit? Beaucoup de porteurs de paix affirment qu'ils font juste comprendre à la personne décédée, qui n'a plus conscience du temps, qu'elle est morte, qu'elle doit rejoindre cette lumière qu'on a vue tout à l'heure lors des expériences de mort imminente. Certaines âmes errantes sont donc prisonnières depuis des années, parfois plusieurs siècles. Et pendant que certains s'amusent à faire le buzz, en filmant ce qu'ils qualifient de surnaturel, d'autres vont tout simplement aider ces âmes à partir. Comme dit tout à l'heure, dans le spiritisme, nous nous réincarnons pour apprendre de nos vies. Certains pensent que les âmes qui n'ont plus rien à apprendre sont donc toujours présentes, telles des anges pour nous aider. Vous pouvez donc invoquer ces fameux anges ou entités, et cela donnerait ainsi une explication à la nature des anges de certaines religions. Mais il est bon de rappeler qu'il n'y a pas que dans le spiritisme qu'on invoque des anges, beaucoup de chrétiens le font. La science est assez perplexe face à ça, et je pense que vous comme moi aimerions tellement qu'elle approfondisse ce sujet-là, que ce soit pour prouver que tout cela est vrai, ou pour démystifier tous ces phénomènes. Mais ce n'est pas possible, et c'est pourquoi le spiritisme est considéré par beaucoup comme une science immatérielle, à la recherche de réponses aux forces de la nature invisible. Mais pour beaucoup, bien sûr, le spiritisme n'est qu'une superstition. Mais cet état d'entre la vie et la mort, ce phénomène de devenir une âme errante, de communiquer avec l'au-delà, fascine de plus en plus de personnes. On pourrait parler du spiritisme des heures avec tout ce que ça implique, médiumité, métamédecine, alchimie, âme, énergie, réincarnation éducative, karma, occultisme, astrologie, numérologie, etc., etc. Mais je voulais bien sûr me concentrer sur la mort et cet état de devenir une âme errante. La mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. Rien, absolument rien, ne nous permet d'affirmer, d'un point de vue rigoureusement scientifique, que la mort est autre chose qu'un état fini dans lequel tout être vivant est destiné à reposer sans aucune conscience de l'être. Sans preuve du contraire, on pourrait dire qu'on ne vit pas sa mort. L'état dans lequel vous serez est semblable à celui que vous étiez avant de naître. Vous n'existerez plus, définitivement. Cela peut nous faire pleurer, ou nous rendre en colère, de nous dire que nous vivons toutes sortes de malheurs sur Terre, que nous essayons de construire des choses, que nous ressentons de l'amour envers des personnes, mais que tout ceci n'a guère d'importance au regard de l'univers. Nos vies sont aussi futiles qu'un grain de sable, aussi courtes qu'un clignement d'œil, comme l'a chanté Sam Carter. Cette idée de la mort peut générer peur, délire, crise d'angoisse, dépression. Certains en viennent même à se donner la mort sous le poids de telles questions sur la condition humaine. La vie est un sujet trop mystérieux, la mort est un fardeau trop lourd à porter. Sous cette perspective de la peur de la mort, car elle n'est rien d'autre que la fin d'une vie, et que cette peur hante l'être humain depuis sa prise de conscience d'être justement vivant, certaines théories fleurissent en nous. La promesse d'un paradis aurait donc été inventée par les hommes pour que l'on se rassure, et cette promesse d'une vie éternelle, si le bien était fait, pouvait permettre au crime d'être moins présent. La réincarnation n'est qu'une autre forme du fantasme humain à vouloir être intemporel, basé sur des faits qui n'ont absolument rien à voir avec des preuves. Le spiritisme et l'occultisme ne sont que des moyens de rassembler tous les phénomènes paranormaux et inexpliqués pour consolider la croyance que nous existerons toujours, appelée parfois science uniquement pour ne pas faire de ce domaine un dogme religieux, mais qui n'a rien à voir avec de la science. Ouais, on peut se dire tout ça, et tout ça peut nous mettre totalement en colère. Pour beaucoup, la peur de la mort nous détourne de la mort, car nous cherchons des excuses, des explications et des destinées à notre présence sur Terre. Présence ridicule au sein de l'infinité de l'espace.
Nous allons tous mourir et la seule chose qui restera de nous sera destinée à brûler ou pourrir sous terre, sous cette terre qui nous a vu naître. Mais la mort nous entoure, partout, à chaque instant. La mort est à la télé, la mort est dans nos assiettes, la mort est dans nos villes, la mort est à quelques années, quelques mois, peut-être quelques semaines de nous. Nous avons tous perdu des proches, que ce soit un parent, un ami, un collègue, un voisin. Et il est horrible de penser que ces personnes n'existent plus, qu'elles soient absentes de l'univers. Mais la vie est née de poussière d'étoiles, et les étoiles meurent, elles aussi. La mort est alors synonyme de néant, d'absence de conscience, de sensation, d'impression, d'émotion. Le médecin Eric Kelligian a dit « Si la mort stoppe et anéantit notre existence biologique, tout bêtement, on peut se dire que la vie est plutôt absurde et la mort dépourvue de sens. » Triste vision de la mort, mais beaucoup l'acceptent et fait partie du postulat de base de la vie. Pensez-vous autrement? Croyez-vous en une théorie de cet épisode? N'ayez pas peur de parler de ça, les commentaires sont là pour qu'on en parle. Avez-vous peur de la mort? Avez-vous des souvenirs d'anciennes vies? Croyez-vous au paradis? On se retrouve au prochain épisode, et d'ici là, je vous invite à me rejoindre sur Twitter et Facebook si vous voulez suivre mon actualité. Et je suis sur Tipeee si vous voulez m'aider à financer l'émission. Pour ce qui est de ma vision de la mort, je suis toujours agnostique, comme j'avais dit dans mon 5 théories sur Dieu. Je n'ai pas besoin de l'hypothèse de Dieu pour vivre, mais il pourrait très bien être dans le coin. S'il existe, paix sur lui. J'ai vraiment du mal à me détacher de la science. J'ai vraiment du mal aussi à faire face à ma propre mortalité. Cependant, je suis vachement intéressé depuis quelques années à tout ce qui est occultisme ou les parasciences, comme la médiumité, le magnétisme, la métamédecine. Et même si je pense en être du coup assez influencé par mes connaissances en ce domaine, je ne crois en rien, même si je suis ouvert à toute théorie, et si cela venait à changer, je vous tiendrai au courant. En tout cas, prenez soin des uns des autres, prenez soin de vous, et vivez votre vie comme vous l'entendez. Comme l'a dit Sam Carter d'Architects, R.I.P. Tom, la vie est trop courte, prenez le moment de vous sentir en vie. C'était Didi Chandudoui, à la prochaine pour de nouvelles théories.